Bonjour, les voyages de Laure et Ludo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'aménagement intérieur de notre K4. Donc l'intérieur, et ensuite je vais vous présenter ce qu'on a dans la malle de toit. Voilà. Alors voilà, je vous présente la malle de toit. Alors c'est une malle de toit que Ludovic a construit de lui-même avec des planches en bois que l'on a repeintes. Donc cette malle de toit, en fait, elle contient tout ce qui va nous servir pour la randonnée extrême. Alors, c'est-à-dire une tente marque Husky, ensuite un chariot de randonnée, ensuite on a une bâche pour protéger contre la pluie, une extension de la tente de toit pour les périodes un peu plus hivernales qui vont servir à nous protéger. Ensuite, on a le chauffage d'appoint et un autre petit chauffage. On a tous les sacs de randonnée. Alors, je vous montre un petit peu. On a fait des petits compartiments. Voilà. Alors, tout est bien structuré. Ensuite, on a un gros sac où on a mis tous nos manteaux pour cet hiver, nos imperméables, les gants, les bonnets, les moufles. Ensuite, on a un autre sac où on a mis toutes nos affaires de ski parce qu'on ne sait pas la température que l'on va avoir. Les roues qui vont servir, enfin tout le chariot de randonnée qui est démonté. On a mis toutes nos chaussures de randonnée. Voilà. On bascule. Ensuite, on a un sac où on a mis nos imperméables pour, on va dire, pour l'été. Et on a rajouté des moustiquaires de tête pour les moustiques. Alors c'est ce sac vert. Alors je vais l'ouvrir. Voilà. Alors effectivement, on a mis des cavouets et on a mis d'autres casquettes. Et on a mis voilà, les casquettes dans une poche, les moustiquaires de tête et tout ce qui est pantalon imperméable aussi. Voilà, qui va en cas de forte pluie. Donc là, en fait, dans la malle de toit, c'est tout ce qui est conçu pour le matériel de randonnée, on va dire, extrême. Et cette malle, donc, on a rajouté une bâche de protection contre la pluie. Voilà. Ça va. Là, je vais vous présenter tout l'aménagement intérieur, de notre véhicule. Alors là, donc c'est le siège passager. Donc là, vous avez la douche solaire qui est indispensable, bien sûr. Après, on met tous les sacs à papier. Donc on a deux gros sacs pour nos papiers. Ensuite, ici, on met les lingettes, voilà, qui peuvent dépanner. On a un petit brumisateur, comme ça, quand il fait très chaud. Et on a éventuellement un petit sèche-cheveux pour mon petit sèche-cheveux personnel que je branche à la batterie de la voiture quand vraiment il fait trop froid. J'en ai pas eu encore l'utilisation. Là, c'est le siège passager de Ludovic. Là, on a un appareil pour mettre notre système de portable qui fait GPS. Là, on a une petite tablette qui nous permet de mettre notre petit ordinateur portable pour travailler. Là, on a une sorte de filet où on met toutes les affaires comme les cavouets, les serviettes qu'on va se servir pendant la journée. Voilà. Donc c'est là où se mettent les filles. Donc là on a Louisa qui se met là, Victoria et Elena. Donc là généralement elles mettent leurs petits jeux pour jouer dans la voiture. Là on a construit une petite, on va dire, planchette où elles peuvent mettre leurs pieds. Là on a mis d'autres jouets comme les bébés de Louisa, des chaussures. Là on peut aussi rajouter des livres. Et là-haut, voilà, on a fait un autre espace pour mettre tous les livres scolaires des filles. Voilà, et on peut, comme ça, les filles peuvent facilement, elles peuvent facilement les attraper. Alors là, en fait, je vais vous montrer une autre partie du véhicule. Donc là, en fait, on a des petites cachettes, on va dire, pour mettre des petites choses, comme tout ce qui est matériel informatique. Là, on a pris la guitare d'Elena parce qu'elle fait de la guitare. On a un piège photographique pour photographier les animaux la nuit. Alors là, je vais m'avancer. On a un petit frigo de voyage qui s'ouvre comme ça. Voilà, où on stocke, bon, il est petit. Voilà, qui se referme.
Ensuite, on... voilà. On a une station d'énergie. Voilà, qui nous permet de recharger, on va dire, tout notre matériel informatique. Voilà, là on a tous les livres des filles, plus le matériel scolaire. Et là, on a tout ce qui est par rapport à l'électricité et les bouteilles, on va dire, de gaz pour faire chauffer, bien sûr, nos aliments. Un cordon électrique, des petites lampes. On a aussi des DVD pour nous regarder des DVD, d'autres jeux. Et les lunettes, bien sûr, de Miss Elena. Et toutes les bouteilles de gaz Primus. Voilà. J'ai oublié aussi de dire que dans la malle de toit, on a aussi des cordes que je ne vous ai pas montrées. Qui vont nous servir aussi pour la randonnée. Voilà. On a encore une chemise là où on met des papiers à nous. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer l'arrière du véhicule. Alors là je vais vous montrer l'arrière du véhicule. Alors je vais commencer par les côtés. Donc là, en fait, on met des bouteilles d'eau et on met tout ce qui est pour la lessive, c'est-à-dire la lessive, le savon de Marseille. J'ai un petit étendoir pour étendre le linge. Voilà. Alors sur les côtés, on met le sopalin, encore des bouteilles d'eau. On arrive à mettre du papier toilette. On a même un extincteur. Voilà. Alors grâce à des petites poignées, on peut tirer une cuisine entièrement équipée qu'a conçu Ludo. Donc dans la cuisine il y a tout le matériel de cuisine. Voilà, fourchette, couteau, théière, bouteille de gaz. Et après on a mis bien sûr tous les ingrédients, voilà, qu'il faut pour cuisiner. Tu me fais ça, hein, c'est bon. Alors au fond en fait il y a des conserves alimentaires. Voilà, donc c'est toutes les réserves. On a du maïs, des champignons, du thon, on a des pâtes, du riz. Voilà. Du pain, là on a stocké du pain. Là on a de la farine, on a du sucre, des petits gâteaux, tout ce qui nous sert pour le petit déjeuner. Du lait écrémé en poudre, des jus de fruits, des tasses, une petite théière, des passoires. Donc au niveau des caisses, alors on a trois caisses. Alors il y en a une qui sert pour les chaussures. Donc là on met toutes nos chaussures de ville, on va dire nos sandales, nos claquettes. Alors on a effectivement porté des petites claquettes quand on va dans les douches de camping parce que ça peut toujours servir bien sûr pour l'hygiène. On a le produit vaisselle avec une petite éponge. Et tout en bas, on a une autre petite douche solaire qui peut nous servir lorsqu'on va faire de la randonnée. C'est une petite douche solaire portative. Dans cette caisse, qui est la plus lourde, on a toutes nos affaires de toilette ainsi que toute la trousse à pharmacie. Donc effectivement, ça fait beaucoup de trousse, mais on a pris en fait pour 6 mois. Donc c'est tout ce qui peut nous servir si on tombe malade. On a même des antibiotiques. Du sirop pour la toux, de l'imodium, du doliprane. Et après, on a bien sûr toutes nos affaires, bien sûr, de toilettes, des gels douches, des savons, des brosses à dents, les trousses, des déodorants, tout ce qu'il nous faut, bien sûr, pour être beau et propre. Alors dans cette caisse on stocke toutes les bouteilles d'eau dont on a besoin ainsi que tous les fruits et légumes parce que là ils sont on va dire beaucoup plus protégés. Voilà, donc là on a tous nos fruits et légumes qu'on peut stocker et bien sûr on stocke des fruits aussi dans le frigo. Alors la dernière partie en fait c'est nos sacs, donc je ne vais pas tout vous déballer mais on a deux gros sacs comme ça pour les affaires des filles et mes affaires pour tout l'été et la période hivernale, donc ça prend de la place. Ludo a ses sacs d'affaires. Après on a une autre trousse à pharmacie, c'est une petite caisse verte. Ensuite on a une trousse où on met toutes nos affaires sales
Et ensuite, on a aussi des toilettes sèches, et ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et après, on a deux petits sacs d'affaires qui nous permettent de se changer en journée, et ça évite de tout déballer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, cela vous montre aussi que lorsqu'on part pour de la longue durée, tout doit être calculé et on ne peut pas improviser. Donc, on a tout quand même calculé avant de partir. Donc, c'était les voyages de Laure Ludo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre compte Instagram, laure.ludo.aventure en famille. Et je vous attends pour une autre vidéo. Prochainement, ça sera une visite de la tente de toit. Voilà. Voici le 4x4 transformé en couchette camping-car pour 5 personnes. On ne croirait pas comme ça. Avec petit plateau à l'arrière, vous pouvez y mettre les affaires. Voilà. Elena dort entre les sièges. On lui a fait, avec les tapis de sol, un véritable petit matelas. Et elle peut donc dormir entre les sièges. Ensuite, un plateau avec 3 personnes. Voilà, on voit les duvets, les oreillers. Victoria, elle est installée ici, confortablement. Et ensuite, ici, nous pouvons y mettre différentes affaires. La lecture, l'eau, etc. Les papiers, tout ce qu'il faut. Voilà un peu la physionomie donc d'un couchage pour 5 personnes. Incroyable, non? Ensuite, derrière, on a toutes les réserves alimentaires. Voilà, voilà comment ça fait. Voilà, et on peut s'allonger totalement à l'intérieur de ce camping-car. Voilà. Et ensuite, derrière, on met de temps en temps la tente, éventuellement. Voilà, où on remet éventuellement les différents sacs, mais que l'on peut aussi mettre tout dans la voiture. De toute façon, on a largement de la place. Et là, on s'installe un petit coin où on peut effectivement manger, se changer, etc. Au niveau donc de la tente. Voilà. Donc on préfère dormir dans la voiture parce qu'il fait quand même plus chaud, ça se refroidit moins vite que dans la tente. Mais voilà, on a vraiment de quoi... camper de différentes manières. On peut dormir dans la tente, on peut aussi, sur le 4x4 j'ai mis un auvent, on peut placer le auvent aussi pour protéger à la fois le 4x4 mais aussi la tente que l'on met juste derrière la porte du 4x4 qui est ouverte. Voilà, ce qui nous permet de faire un alignement complet entre le 4x4 et la tente et être donc à l'abri complètement avec l'auvent. Et au pire, bon, si on avait vraiment des conditions défavorables, on pourrait placer une grande bâche que l'on a qui couvre à la fois le véhicule, donc les entrées dans le véhicule, et la tente avec un espace intéressant, près de la dimension de 2 mètres ou 3 mètres par 2, qui nous permet donc de mettre éventuellement la cuisine, de s'asseoir, etc. Voilà, c'était les voyages de Laure Ludo, la façon de camper d'une manière un peu différente. On peut faire du bivouac, on peut faire du camping. Voilà, on peut s'installer n'importe où, on peut tout laisser dans le véhicule et rester dans le véhicule. Mais on peut aussi indifféremment mettre la tente, on peut mettre le auvent, on peut mettre la grande bâche. Voilà, donc ça s'adapte à toutes les situations du camping, je dirais, itinérant. C'était les voyages de Laure Ludo. Rejoignez-nous sur notre blogspot.com et... merci à toutes et à tous pour les informations que vous nous envoyez, les questions que vous nous posez et toute la participation donc de nos internautes sur notre site. À bientôt.